Hello, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment c'est simple et rapide pour créer votre premier NFT. Alors je pense que vous avez vu l'ampleur que prennent les NFT avec notamment Visa qui a acheté un CryptoPunk, ce que vous voyez derrière moi, pour pas loin de 150 000 $. Alors je vais vous montrer exactement étape par étape comment vous allez pouvoir vendre et créer votre premier NFT. Allez, on y va. Alors ça c'est un exemple d'un NFT que j'ai créé, voilà, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez le mettre en vente. Alors pour faire des NFT, je vais vous montrer un exemple de site. Donc ça s'appelle InstaPainting et c'est un outil pour faire de l'art avec de l'intelligence artificielle. Vous avez plein de modèles, vous pouvez vous entraîner avec ça. Première étape, c'est de vous rendre sur OpenSea.io et puis de créer un compte. Donc voilà comment ça se passe. Vous cliquez sur Créer. Vous connectez votre MetaMask. Ensuite, vous arrivez sur cette page. Donc vous pouvez déposer directement votre NFT, donc sous le format que vous voulez. Vous pouvez lui donner un nom. Vous pouvez envoyer du coup directement avec un lien externe et faire une description. Si vous voulez plus tard, vous pourrez changer le nom également. Ensuite, vous pouvez choisir en fait de le faire apparaître dans une collection avec toutes les propriétés, si c'est plusieurs NFT qui se ressemblent par exemple. Et ensuite, vous cliquez sur créer et c'est tout bon. Puis vous arrivez sur cette page, il vous suffit du coup de cliquer sur sell. Et ici, vous avez du coup toutes les options pour le mettre en vente. Donc, vous pouvez choisir de mettre un prix fixe ou bien de le mettre aux enchères avec un prix de réserve. Si le prix de réserve n'est pas atteint, vous n'avez aucune obligation de le vendre. Le listing est gratuit, donc vous avez juste les frais de gaz à payer. Et vous avez 2,5% pour OpenSea si c'est vendu. Donc, je vous souhaite de très bonnes ventes. Alors, je vous invite à me dire si vous avez réussi. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. À bientôt !